Descendez. Descendez. Attendez, vous allez comme ça. Il faut m'enlever cette bombe avant. Bon sang, enlevez-moi cette bombe. Mais de quelle bombe tu parles, hein? C'était seulement une boîte avec une batterie, c'est quelle tout. Quelle bombe? On te vend rien. Faut que je retourne à la prison. Faut que je retourne à la prison. Regardez ce qu'elle ferait. Génial, au moins ils perdent pas leurs traces. Ils viennent de tourner à droite. T'as vu, il y a un chien. Freine, freine. Il se trouve. Ah, je vois pas. Qu'est-ce qu'elle écrit? Via Ponte Mamolo. Via Ponte Mamolo. Ponte Mamolo. Ouais, c'est par ici, au bout à droite. Ah, je sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie. Hey. Remercie-toi, merci. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, entre. Ils sont partis de quel côté? Nabat Madras. Pardon, mon colonel, je m'en veux beaucoup. Vous devez me croire, je me suis pas enfui. On est seulement tombé dans un piège. Tous les autres y sont passés et je suis le seul qui a été blessé là dans la tête. Et puis c'est le trou noir, je me souviens de rien. Je crois que je suis allé à l'hôpital, enfin, je me souviens plus. Allez, lève-toi maintenant. Lève-toi, Madras. Tout va bien, d'accord? Tout va bien, je ne suis pas du tout en colère contre toi. Par contre, lorsque tu es sorti de l'hôpital, pourquoi as-tu fait le choix de ne pas venir directement me voir? C'était déjà fini depuis longtemps, mon colonel. On avait le gouvernement entier qui était à nos trousses, vous voyez. J'avais vraiment très peur de me faire arrêter, et alors je me suis échappé de là-bas et je suis venu en Italie. Très bien, l'ami. Nous, on a fait notre partie du boulot. Alors, tu vois, c'est le moment idéal pour que tu nous donnes le code secret. Oh, naturellement, monsieur Tarantini. Sachez que je respecte toujours mes engagements. Mais avant, j'aimerais m'entretenir juste un petit instant avec ce très gentil garçon. Merci. Assieds-toi. Vas-y, n'aie pas peur. Tu n'as vraiment rien à craindre, mon cher Madras. Je sais très bien que cette idée ne vient pas de toi. Tu n'as fait qu'obéir aux ordres, ça ne fait aucun doute. C'est vrai, c'était l'idée du capitaine Ibrahim. Oui, il nous disait que c'est vous seul qui aviez donné l'ordre d'ensevelir les caisses. Oui, je sais. Je vais te dire, Ibrahim n'était qu'un sale traître. Il voulait garder pour lui seul tout l'or qu'on avait déjà pris dans les mines d'Amar. Seulement voilà, il est à nous, n'est-ce pas? Nous avons trimé pour gagner cet or. Pas vrai, Madras? Oui. Parfait. Alors maintenant,
regarde ça. Elles sont enterrées où, ces caisses, hein? C'est ici. Il y a une petite grotte tout près de la porte du diable. Les caisses d'or sont toutes planquées à l'intérieur. Fais une croix sur la carte. Et maintenant, fais-en une autre juste là. Vraiment désolé, madame. Mais c'est un secret trop important pour un petit soldat comme toi. Non, pitié, non. Épargne-moi. Arrête, n'y pense même pas, espèce d'enfoiré. Il s'agit d'une affaire personnelle qui ne vous regarde pas. Mais j'en ai rien à foutre. T'es chez moi ici, ni chez moi en tue personne. Dites à votre cher ami qu'il doit garder son calme. Sinon, je ne vous donnerai jamais le code pour débloquer votre argent. Fous le camp, Madras. Fous le camp d'ici. Peut-être que ça aidera ce salaud à comprendre qu'on n'est pas là pour rigoler. Il peut toujours appuyer sur la détente. On le butera comme un chien enragé. Va-t'en. Vous êtes sûr? Va-t'en! Passer à côté de la chance de votre vie. C'est vraiment dommage, monsieur Tarantini. Hé hey, doucement! Je te conseille de faire gaffe à ce que tu fais, saleté de poche. Qu'est-ce que t'attends, Paolo? Dites-le, allez! Espèce de crétin! Tu ne vois pas que c'est ta petite cervelle de piaf que j'ai dans le viseur? Ça veut dire que si je meurs, tu meurs avec moi, idiot! Ah oui, c'est ce qu'on va voir. D'ici en un seul morceau. Je te conseille de baisser ton flingue et de nous donner le code. Vous ne tirerez jamais d'arrêter. En tout cas pas si ça met en danger la vie de votre chère et tendre amie. Va te faire voir, espèce d'enfoiré. Dans ce cas, c'est moi qui l'ai tiré. Lâche ça! Pose-le sur la table! Prends-toi! Lâche ton arme, Tarantini, plus vite que ça! Tais-toi. On s'en moque, je crois. En ce qui me concerne, j'abandonne ici cette charmante réunion. Je vais vous laisser régler vos différends personnels. À moins que vous ne vouliez dire adieu à votre charmant chien. À ta place, j'éviterai. Auf Wiedersehen. Vous avez un problème au cervical? Ton timing est parfait, mon thé. Tu sais que t'es à moins que rien, Termzani. Mais t'as fini par m'avoir encore une fois. Allez, avance. Mon ami, je suis désolé, je t'ai mis dans un sacré merdier. T'en fais pas pour ça, au moins on aura essayé. Vous avez terminé? Avance. Regarde-moi bien, Terzani. Je suis encore en train de sourire, tu vois? Tu veux que je te dise pourquoi? Parce qu'il n'existe encore aucune prison dans notre beau pays de laquelle Paolo Tarantini ne puisse se faire la malle. Et pourquoi tu veux te faire la malle? Je viendrai te rendre visite en prison, t'en fais pas. On y va. Et sois sage. Je vous remercie. Je suis vraiment ravi. Merci beaucoup. Terzani, vraiment toutes mes félicitations. Pour Tarantini? Mais non, pour celui-là. Pourquoi? C'est qui? Vous ne le connaissez pas? Il s'agit du colonel Aouri, criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale de La Haye. On reçoit des messages du monde entier. D'ailleurs, j'étais en ligne avec le chef de la police et il a des félicitations officielles à vous faire. Des félicitations pour moi? Oui. Je les refuse. Elles sont pour Monte et les mérites.
Non. Commissaire, c'était surtout un travail d'équipe. Il mérite... Monté, c'est toi qui l'as arrêté. Moi, ma récompense, elle s'appelle Paolo Tarantini. Vous avez compris vos droits. Warex, faut pas t'en faire si Tarantini cherche encore à s'évader. Parce que toi et moi, on sera encore là pour le coincer. Encore. Et encore. Une douceur.